Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix de Barcelone 2002. Où apparemment il va pas faire très 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 beau, surtout en qualification. Bon, la course ça devrait être mieux. On va lancer la qualification. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs. Ouais, il y aura le bug qu'on avait prédit. Donc je règle ça et on se retrouve tout de suite. Allez, donc niveau des réglages. On est sur Catalogne, alors je sais pas trop, est-ce qu'on va faire beaucoup d'appui, rapport de vitesse, je vais plutôt mettre middle, parce que c'est un qui est assez moyen en fait dans les réglages. Avant-arrière, toujours avant, j'ai peur à l'arrière, ça change pas, l'anti-patinage, on ne change rien, on va laisser comme ça. On va sortir des stands. Et malheureusement il fait vraiment pas beau, hein, donc je sais pas si on va faire un bon chrono ici. Surtout je crois qu'on peut pas changer le... on peut pas avancer le temps, donc du coup ça veut dire que... Et surtout si on peut pas avancer le temps, on va pas pouvoir faire un bon chrono. Imaginons qu'il arrête de pleuvoir à un moment. Donc c'est parti, le circuit de Catalogne. Encore une fois, au niveau du dénivelé un petit peu exagéré sur ce jeu, mais bon. C'est parti. Bon, l'avantage c'est qu'il ne l'aura pas pendant la course. Il devrait faire gris. Ce que j'espère c'est qu'il ne pleuvra pas au Grand Prix Monaco. Au moins ça. Parce que le reste ça va être ignoble. Il y a du monde là, sur le côté là, à gauche. Sur la montagne, la couille, il y a trop de gens, c'est totalement improbable. Normalement il y en a beaucoup moins. Ouais, souvent du monde au Grand Prix d'Espagne, hein, mais enfin surtout depuis qu'il y avait Alonso. Et là quand même ils ont un peu exagéré le trait, il y a vraiment trop de monde. Ouais, c'est pas le circuit le plus réussi du jeu ça par contre. Alors ce qui est bien c'est qu'on n'a pas la chicane, on est encore à l'ancienne, ça sera toujours la bonne nouvelle. On va arriver dans la ligne droite, c'est parti. Que ah bah là c'est mort. Du coup, il va falloir faire un deuxième tour. Je sais que je pars en pneustick, ça change rien. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que la gestion des pneus est pas spécialement bien faite. Mais... bon, du coup, je suis en retard, largement en retard. Il va falloir faire un deuxième tour. Ça passe à fond. Ah, ça glisse un peu leur accélération. Ouais, les dénivelés qui sont quand même trop exagérés. Il y a du dénivelé en vrai sur ce circuit, mais pas tant que ça quand même. Pas autant que ça. Alors là je change la vue parce que vous voyez bien que la framerate elle baisse hein, donc bon alors essayez de pas faire la même bêtise. Je pense que je suis 17ème juste parce que les autres équipes n'ont pas fait de tour. Hein. Oh, on avance au Barrichello, c'est bon ça. Allez, voiture qui est devant nous. Je crois que ça va pas trop nous gêner. Je crois que c'est une Jordan, ouais. Une Jordan.
Ça passe quasiment à fond là aussi. Allez, aspiration, ça serait bien ça. Ouais, petite aspiration sur la... Et voilà, c'est la pole position. Ouais, Bernardi. C'est bien une jambe. Allez, on va faire fin de session. Et du coup, le résultat des qualifications avec donc... on est en pole. On leur a mis une seconde... une seconde 3. Bon, je pense qu'on peut mettre ça sur le compte quand même de la pluie. Michael au deuxième, Schumacher au troisième pour Bleu Montoya 4, Ralf 5, Kimi 6, Steve Coulthard 7. Pour l'instant, rien n'a changé. Trulli, Massa, Nelson Button, Nicolò Fisichella, Ami Cassello, Nick Heidfeld. On a pas trop de... Non, mon coéquipier est très très loin. Ah, de toute façon, pour qu'il y ait une équipe haute que les 3 pro même championnat qui marque des points, c'est mort, hein. Pour mon avis, ça passera jamais. Alors, vu qu'il fait gris, on se retrouve, je vais refaire un petit réglage. Et on va du coup lancer la course. On va garder les pneus tendres, hein. De toute façon, j'ai pas eu de différence à la fin de la course, donc c'est parti. La mise en grille. Encore une fois, hein, deux Ferrari, deux Williams, deux McLaren. Oh, le vent que m'a mis. Oh, le départ limite volé, quoi, de Barrichello. Oh là, heureusement que je suis au centre, hein, parce que sinon il m'aurait dépassé déjà depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix d'Espagne. On a pas une position, ce qui aurait pu être pire. Bon, il devrait pas pleuvoir normalement, il devrait juste faire ouvert. Hop 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 hop. J'ai fait n'importe quoi. Allez. On va essayer de pas trop Barrichello. Bon, j'ai un bon rythme en qualification, donc je pense qu'en course quand même ça devrait le faire aussi. Ça va jouer aussi à l'accélération. Pour l'instant il bouchonne. Alors, est-ce que ça va ramer ici? Ouais, ça rame, on tombe à 40 fps. Je suis obligé de baisser le... de changer de vue. J'ai l'impression qu'il a moins d'accélération et plus de vitesse de pointe par contre. Toujours au même principe dans ce championnat, essayer de dépasser à la loyale, hein, pas en se rentrant dedans. Et je vous avoue que cette règle est très difficile dans ce jeu, parce qu'on est souvent surpris par l'écart de trajectoire de l'IA. Et souvent je suis obligé limite de couper mon accélération pour pas me faire rentrer dedans. Allez, laissez la porte ouverte. Allez, on est passé devant, parfait. On va voir la vitesse de pointe de la Ferrari. Regardez, à la vitesse où il va revenir. Non, ça va, je vais couper l'aspiration. C'est assez étrange les couleurs sur le circuit, je trouve, en mode gris, quand il fait pas très beau. C'est un effet qui existe, hein, vraiment dans la vraie vie, mais c'est très très bizarre. J'ai l'impression que les couleurs elles sont beaucoup plus rouges, beaucoup plus prononcées. Il y a un effet un peu jauni en fait de tout l'ensemble.
Bon bah là c'est bon, on s'est échappé. Alors je sais que le Grand Prix d'Espagne a souvent tendance à être chiant, mais à mon avis ça va être le cas ici. Si on domine comme ça, il y a moyen. Et ça va faire du bien du coup pour le championnat, puisqu'on a... On a eu le 3ème à Imola. Du coup on a perdu le leadership. Alors je serais incapable de vous expliquer ce qui s'est passé en 2002 sur ce circuit en vraie Formule 1. Je n'ai aucun souvenir. Ah si, le seul souvenir que j'ai, c'est que chez Arrows on avait failli marquer un point, je crois, ou on a marqué un point. Ouais, non, on commence à arriver dans la période sombre d'ailleurs hein, chez Arrows, peut-être ce Grand Prix. Les histoires d'un pays chez Cosworth, ça devient compliqué là. C'est à partir de là que l'équipe va commencer à péricliter totalement et à réduire ses essais et la progression de sa voiture parce que bah, tout simplement il n'y a plus d'argent dans les caisses. En tout cas, dans le virtuel, nous on est bien. Je pense que tout le monde a envie de mettre des sponsors chez nous et bourger nos dettes sans problème. Après, faut aussi remettre le contexte de 2002. Hein. 2002, c'est quoi? C'est l'année qui a suivi le 11 septembre. C'est la crise économique, globalement, hein, de septembre à 2001 jusqu'à à peu près deux tiers de l'année 2002, pardon. C'est le bordel. C'est-à-dire qu'en gros, les sponsors sont ultra frileux. Et c'est pour ça qu'on perd énormément de... Enfin, on perd Prost Grand Prix, on perdra Rose juste ensuite. C'est pas lié qu'à ça, hein, effectivement, mais c'est aussi une des causes. C'est déjà que la Formule 1, en plus, c'est en 2002, va pas aider, puisqu'il va y avoir tellement de domination de Ferrari, que l'intérêt pour la F1 va descendre, mais de manière énorme, en fait, à partir de cette année-là. Et ne pas, et pas aidé par le contexte économique, ce qui fait que beaucoup d'équipes vont perdre pas mal de moyens. Sauf évidemment Ferrari, hein. Ferrari, Williams, McLaren, ça va encore. Mais bon, au même moment, chez Jordan c'est la merde, chez Arrow c'est la merde, chez Prost bah, c'est fini. Voilà, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Même chez Jaguar c'est compliqué en 2002. Niveau moyen, c'est plus ça. Hein. En plus, il faut une année catastrophique en 2002, Jaguar. Bon, après, évidemment, ça va revenir, puisque 2003-2004, ça y est, l'essor économique repart. Mais en F1, bon, ça sera fin de creux, quoi. C'est ces périodes 2001, 2002, 2003. Après 2003, il faut dire aussi qu'il y a eu enfin une lutte pour le titre entre Raikkonen et Schumacher au dernier Grand Prix. Et aussi le système des 8 premiers qui manquent des points. Là on est encore dans la dernière année où que les 6 premiers manquent des points. Et il faut savoir aussi qu'à la fin du championnat, Ferrari marque le double de points que le deuxième. C'est vraiment écrasant comme domination. Alors vous allez me parler de Mercedes à l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle maintenant, parce que Verstappen est champion. Mais quoi qu'il en soit, l'écrasante domination de Mercedes est un peu similaire des années qui ont suivi les années précédentes. On pourrait aussi penser à la saison 88. Mais la saison 88, la différence avec 2002, c'est que la lutte entre Prost et Senna faisait qu'il y avait une incertitude pour le titre pilote. Alors qu'en 2002, on sait très bien que Schumacher allait être champion. Il n'y avait aucune chance que Barrichello le soit. Ça pourrait se rapporter à peu près à la saison pareille que 2015, on va dire, ouais, si on compare à Mercedes. C'est-à-dire que 2015, les Mercedes dominent à fond comme en 2014, sauf que Rosberg étant beaucoup plus largué, on sait que Hamilton a été champion très vite. Bon, pour l'instant ça se passe bien, hein, 7 tours sur 10.
Je sais même pas où sont les IA. Les IA, elles sont à peine dans la ligne droite. Ah bah là, c'est la pure domination, hein. Oh la vache. Je m'attendais pas à dominer sur ce circuit. Vraiment, hein, parce que le Grand Prix d'Espagne, c'est pas l'endroit où on est habituellement le plus rapide dans les jeux. Ah mais ici, no problème. No problème. Des fois, je me dis qu'il faudrait faire une émission qui s'appellerait « Et si ». C'est par exemple, là, le thème est trouvé « Et si Arrows n'avait pas eu de problème financier en 2002 ?» Ça pourrait être intéressant. Là, par exemple, on aurait pu imaginer que la voiture ait été développée du début jusqu'à la fin. Vu les performances de la voiture, elle a peut-être marqué 10-15 points. Franchement, je pense qu'il y avait le potentiel pour marquer 10-15 points. Je pense que Bernoldi n'aurait pas été conservé, on aurait eu Frenzen qui serait peut-être encore resté. Ou peut-être pas, parce que vu qu'il aurait fait une bonne saison en 2002, il aurait peut-être trouvé un poste, pas chez Sauber, peut-être à notre équipe. Qu'est-ce qu'on aurait eu en 2003 Ah, ce serait marrant d'imaginer ça. Ce serait marrant. Parce qu'en 2003, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire en 2003 ouais, avec les 8 premiers qui marquent des points en plus. Peut-être que mine de rien, l'équipe aurait pu tenir au moins jusqu'en 2005-2006. Bon, de toute façon, Tom Alkinshaw est décédé un peu plus tard, mais ce qui fait que l'équipe aurait été rachetée ou récupérée par quelqu'un, mais je sais pas trop. Je sais que Orange, au fur et à mesure, a retiré ses billes au niveau sponsoring global de la F1, donc peut-être qu'ils auraient, l'équipe aurait changé de couleur aussi. Ce serait pas forcément la voiture jaune-orange que l'on a à l'heure actuelle. Non mais moi je les aurais bien vu finir par exemple en 2002, au moins 6ème ou 7ème du championnat, un peu comme en 2000. Parce que leur voiture était quand même assez réussie. Surtout quand on voit que le Super Aguri a récupéré leur voiture en 2006. Ah, ça aurait été drôle parce que du coup, c'est-à-dire que si Arrows était présente, Super Aguri n'aurait pas pu prendre la Rose de 2002, ils auraient peut-être pris autre chose. Et surtout, Minardi n'aurait pas récupéré les voitures aussi de l'équipe Arrows pour la saison 2003. Ils ont pas récupéré la voiture en elle-même, mais ils avaient racheté des châssis. D'ailleurs, la Minardi de 2003 qui est bien plus mauvaise que celle de 2002. Allez, plus qu'un tour. D'ailleurs, j'essaie de meubler. Hein. J'essaie de meubler le fait qu'il se passe rien en course. Alors, on va finir. Et on va même rattraper. Je rêve ou on va rattraper les pilotes, les derniers là. On va leur mettre un tour ou quoi? Bon, ça me semble un peu juste pour remettre un tour, mais ça dépend de la vitesse où on va remonter. Bon, bah, ça fera le défi de la course, là. Essayer de mettre un tour à une voiture. Non, c'était trop de jeu, ils sont déjà à la fin. Il m'aurait fallu un tour de plus, je pense. On verra ce que ça donne dans les prochaines courses, hein, mais alors celle-là, elle sera loin d'être inoubliable. Oh, je fais n'importe quoi. 41 secondes sur Barrichello. Oula, je pense que l'équipe Ferrari là se retourne dans sa tombe. Bon, eh bien, on va arriver sur la ligne d'arrivée. Et victoire du coup pour Enrique Bernoldi sur le Grand Prix d'Espagne. Course sans rien, concrètement.
Alors, classement, Schumacher, Barrichello, Ralf Schumacher, Montoya, Kimi Raikkonen. 36 points, et du coup on est pile ex-aequo avec Michael Schumacher, donc on est bah, comme la course, comme il y a deux courses en fait. Barrichello 3ème. Et derrière c'est le néon. Alors, chez championnat constructeur, bon, Ferrari devant, deuxième, on est toujours nous. W, McLaren. Et on attend que les autres équipes se réveillent. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Bon, c'était pas la vidéo la plus passionnante, hein, vous l'aurez compris. On se retrouve pour le Grand Prix de Monaco, je pense. Je pense qu'on va enfin y être dessus. Alors, espérons qu'il pleuve pas. Enfin, on verra ça. Vous allez avoir la vidéo lundi, donc vous le saurez jeudi. Je vous dis à la prochaine pour la suite du championnat. Tout le monde.